Hello tout le monde, c'est Super Brioche et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Alice Madness Returns. On s'était laissé la dernière fois sur la route pour aller rencontrer le Loir, qui normalement détient des membres du Chapelier, hein, parce que je vous rappelle qu'on est toujours en train de l'aider à récupérer ses membres. Et puis écoutez, bah, on va continuer tout de suite, on va pas perdre de temps. Je pense que normalement on est tout près de le rencontrer. Tournez la valve, vas-y. Oh, le chat veut nous parler. Qu'est-ce qu'on a fait là? D'accord, on ouvre ça, et le chat, il veut dire quoi? Les chats auraient 9 vies. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, tu nous l'avais dit à la fin de l'épisode. Merci beaucoup, le chat, c'est gentil. Sinon, j'ai eu pas mal de commentaires intéressants pour concernant les décors, les machines, le métal, tout ça. Certains pensaient que déjà, tous ces engrenages et ces machines étaient là pour... comment dire... monter le chapelier, vu qu'il était en pièces détachées et tout ça, il a fallu le fabriquer et le monter. Et d'autres me disaient, bon d'ailleurs c'est un peu lié de toute façon, que ça représentait une période de l'histoire, simplement la période de l'industrialisation, tout ça, parce que, oula, peut-être que j'arrête de faire n'importe quoi, parce que c'est tout à fait ce qui se passe à Londres à l'époque où vit Alice en ce moment, c'est tout s'industrialise, mais ils vont arrêter. Ah, mais c'est toi qui me saoule là, le petit pot, dégagez. Et en fait, de toute façon, chaque zone... Oh, je fais n'importe quoi à vous parler, là. C'est n'importe quoi. Chaque zone du pays des merveilles représente quelque chose de réel, une période. Enfin, tout ça, c'est dans l'esprit d'Alice. Hop. Allez, viens là, toi. Approche. Voilà. Donc, c'est vrai que ça a beaucoup de sens, ces histoires de machines. D'industrie, de toute façon, on voit bien avec le Loir, là, qui fait le petit chef. Viens voir. C'est tout à fait l'industrie. Allez, c'est bon. Voilà. Eh B. Alors là-bas, il y a une bouteille. On va pas la rater. Hop là. Des dents. Voilà. Donc voilà à peu près l'histoire de la zone. Oh non, mais c'est pas vrai, toi. Dégage. L'histoire de la zone, à mon avis, vous avez entièrement raison. Hein. Ça représente l'industrialisation. Bon, je pense que je l'ai jamais réussi à... Je vais jamais réussir à le dire correctement du premier coup. Ouh. Bon, du coup, on en est où avec ce Loir? Régène-moi ça, déjà. Ça fera pas de mal. Parfait. Alors, est-ce que j'ai rien raté ici? Parce que... Faut pas qu'on rate de trucs. La bouteille, on l'a prise. D'ailleurs, on en est où? Il nous manque 2 groins, 5 souvenirs et 4 bouteilles. On avance, hein. On avance bien. On avance bien. Alors là-bas... Ah d'accord, il y a un champi. Je me disais, on peut pas faire un saut aussi long quand même. Hein. Bon. Voilà, pour les dents. Je crois qu'on arrive. Il n'y a rien qui se cache par là. Le Loir. Décadence, gâchis, la folie du chapelier s'arrête aujourd'hui, oui. C'est bon, on sait. Ah, le voilà. Tu n'es pas la bienvenue ici. Nous avons une mission à remplir. Et tu es une contrariété intolérable. Certains l'aiment chaud, mais personne ne l'aime si chaud. Ha! Ok. Ok, donc ça s'apparente à peu près à un boss, je dirais, même si on va pas le combattre vraiment, j'ai l'impression, si je me souviens bien. Par contre, ils sont en train de construire quelque chose. Et c'est vrai que ça, j'en ai pas parlé. Au-delà de toutes ces machines qui pourraient être pour monter le chapelier, enfin tout ça. Ça sert à autre chose. Ok, à mourir par exemple. Ça sert à autre chose, mais pour l'instant je ne vais pas vous en parler. On pourrait le savoir déjà. Je crois qu'on peut l'imaginer déjà, mais je n'en dirai pas plus. Là-bas il y a quelque chose, vous voyez qu'il y a un mur cassable, mais bon. Je peux clairement pas y aller tout de suite. Alors là-bas, on me balance des trucs. Je crois que je n'ai pas... Comment ça? Je me suis écarté. Là, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse, monsieur. Vous voulez vraiment que je vous pète les dents d'ici? Parce que ça peut s'arranger. Hein. Voilà. Tranquillement, vas-y. Reviens à toi. Non. On va lui péter les dents d'ici. Hein. Allez. Si tu ne me dérangeras plus. Voilà, t'es assommé. Hop. On attend que notre moulin à poivre revienne. Je vais attendre tout parce que là, j'arrive pas bien à voir ce qu'il fait. Vas-y, on t'assomme. Voilà, maintenant on te fait mal.
Voilà. Et un troisième coup, ce serait parfait. On t'assomme. Et on te tue. Voilà. Bon, je pense que par contre, on va perdre les dents et la rose, mais au moins, on sera tranquille. Alors, hop, hop, hop. Parfait. Donc, quelle est donc cette machine qu'ils aident à construire, ou oui ou non? Enfin, on sait pas trop. Hein. Je vous laisse imaginer. On ne peut pas tout vous dire. Comme je vous l'ai dit au début du let's play, il y a des choses qui sont suggérées et jamais vraiment dites. Eh bien, je vous laisse un petit peu deviner. Qu'est-ce que j'attends en fait là? Je ne sais pas du tout. Vous avez vu les bras. Bravo. Les bras du chapelier sont bien là. Hein, ils servent à ouvrir les vannes du métal. Bon, on va se dépêcher un peu parce que je fais n'importe quoi. Hop. Ne monte pas, plateforme, ne monte pas. Voilà. On attend la prochaine. C'est parti. Je veux la dent en plus. Alors là, je crois que je t'ai pas vu toi. Lui il va me tirer dessus, on va vite bouger d'ici. Monte, 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 plateforme, monte. Voilà. Ok, ici, je pense pas qu'il puisse nous toucher. On va activer ça. Il y a une serrure en bas là, on le voit bien. Ah, 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 voilà. Ok, on a le droit à une plateforme de plus. Là. Là, c'est quoi? C'est de la... un truc à vapeur, mais il est pas actif encore. Alors là, faut qu'on attende que... que le métal coule. On a une musique bien stressante en attendant. Voilà, cool le métal, cool. Vas-y, on y va. Évidemment, évidemment, j'y suis allé trop vite, mais c'est pas grave. Voilà, on y va. Je vais faire la même. Non, c'est bon. Oh, mais le boulet. Oh, le boulet. Bravo. Champion du monde. Je veux aller vite, je veux faire ça bien. Mais non, pas le droit. Pas le droit d'aller vite. Pas le droit de faire ça bien. Allez, dépêche-toi à la plateforme. D'ailleurs, on va faire comme ça. Hop, hop. Voilà. On attend. On y va. On y va. On y va pas. On y va pas. Ouf, c'est bon. Ici, ici, ici. Voilà. Bon, on y est. Oh, tu crois que je t'ai pas vu, toi? Vise, vise, vise. Boum. Parfait. Ici, on a plein de trucs. Voilà. Encore toi, petite saleté. Mais laissez-moi tranquille. Voilà. Alors, on a ça, mais je vois une sortie par là. Ah bah d'accord, ça rejoint le truc... Suivez l'industrie, oui bon. Je pense qu'on a compris. Hop. Boum. J'ai pas essayé de voir si ça a attiré les ennemis, ça. La prochaine fois qu'on a des ennemis, faut qu'on voit. Alors, je mise sur refroidir le métal. Hé hé. J'ai les bras dont tu as besoin. En fait, à dire vrai, c'est le chapelier qui en a besoin. Mais ça n'a pas d'importance. Je vais t'écraser. Oui, petit objet fou. Alors, à mon avis, par où on passe? À mon avis, par où on passe? Il faut qu'on aille par là-bas. Il y a quoi en bas? Il y avait une serrure, donc on va y aller. Il y a des fleurs en plus. Hop. Donc, je suis à fond en vie, mais ça me donne des dents, donc on va pas se gêner. Voilà, merci pour la serrure. On l'a bien vu, ne t'inquiète pas. Souvenir ou bouteille? Bouteille. Parfait. Et quelques dents en or, c'est nickel. On va peut-être regarder un petit peu ce qu'il y a en bas. Il y a peut-être d'autres choses. Déjà, je peux remonter là. Ici, je peux pas y aller. Ça sert à rien, non? Je prends pas de dégâts avec ça. Non, mais le truc est pas actif, donc ça sert à rien du tout. Ouh, j'avais pas vu ça. Ouh, j'avais pas vu. Ok, dégage. Les petites moumouches là, hein. Adieu les moustiques. Merci. Alors. Hop. Voilà, on va se faire le deuxième. Mais dégage. Saleté. C'est pas possible, il y a un troisième nid que je vois pas ou quoi? Monte. Vite, il nous tire dessus. Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. C'est bon. Dégage. Merci. Ok, est-ce qu'il y a autre chose à voir ici? Je pense pas qu'on puisse aller en bas. Non, il y a rien.
Là, il n'y a rien du tout. Ok, donc je pense que, tout simplement, on va... Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Alice? Voilà. Tout simplement, on va remonter. Mais que pour ça... Oh! L'interrupteur, là, il n'était pas actif tout à l'heure. Petit canaillou. Ok. Bah voilà, parfait, ça. Hop là! À mon avis, le passage... mon problème c'est à quoi servait l'autre endroit là-bas. Donc ça, ça a l'air d'être la suite, on va y aller après. Sauf que... Je peux pas aller sur le toit là. Sauf que là-bas, si on a cassé un mur, c'est bien pour quelque chose. Hop là. Il doit bien y avoir une petite raison à tout cela. Alors... À quoi j'ai droit là? Quel est ce maléfice? Est-il un interrupteur? À moins que ce soit simplement... Merde, j'ai raté mon saut. J'ai raté mon saut, mais ça se trouve c'est simplement pour revenir là-bas. Mais c'est pas possible, ça sert à rien. Pourquoi il y aurait ça? J'espère que j'oublie rien. Ça m'intrigue un peu, mais j'espère que j'oublie rien. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il dit là, le Loir? Ok. Alors il y a des fleurs. Ok, tout simplement c'est tout droit. Tout simplement tout droit. Donc ce qu'on va faire, on va attendre que les flammes... Il y a quoi là en bas? Rien, c'est au cas où on se trompe. Ok, on s'arrête au niveau des dents là-bas. Enlevez les flammes, c'est parti. Stop. Oh là, il va y avoir plein de combats là-bas. Voilà. Oh. Ce dessin est juste magnifique. Alice qui décime tout. Tous les ennemis sur ta route. Donc je pense qu'on va combattre. Allons-y. Bon, déjà on en a éliminé un petit peu. Ok, ça va pas du tout ce que je fais là. Hop, allez viens là toi. Boum. Vas-y, reviens. J'aimerais bien casser le pommirette en premier, mais... Ah, je suis sur le côté, ça va pas. Ok, c'est bon. Prends des dents, prends des roses, prends tout ce que tu veux. On a bien fait de tuer les deux en avance, comme ça il y a moins de monde. Enfin les deux, non, le deuxième on l'a pas tué, c'est celui-là que je viens de tuer en fait, le deuxième. J'en ai tué qu'un. Va pas dans la lave, Alice, va pas dans la lave. Dégage. Voilà. Ok, j'active un interrupteur, très bien. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses ici? On a quoi là? Vie d'ordure. On a encore les bras du chapelier qui nous... embête un petit peu, mais on va éviter de se prendre la lave sur la tête. Enfin, le métal, tout ça, quoi, le thé, tout ce que vous voulez. Hop, il y a l'air d'avoir autre chose. Tout autour de nous. Là, il y avait des dents et soi-disant une fleur, mais je vois pas de fleur. Tant pis. On va activer ça. Peut-être de l'autre côté, en fait. Hop là. D'accord. Ah, ok. Ah, bah ça va être simple ça encore. Faut que je remonte jusque là-haut. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh là là. C'est juste. Hein. Encore une, s'il vous plaît. Voilà. Ok. C'est bon. Fou. Ça m'a fait un petit peu peur. Dégagé. D'accord, il y a un ennemi de l'autre côté. Méfiance. Tiens, 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 boum. Boum. Voilà. Tournez la valve. Un empêchement temporaire. Obstacle mineur, défaut négligeable. Je vais l'ignorer et m'occuper de toi plus tard, Alice. Tu n'empêcheras pas. Notre plan. Tu n'empêcheras pas notre plan. Bon, déjà il s'enfuit. C'est super sympa. Prends la rose. Ah. Qu'est-ce qu'il y avait écrit là? Loire, ok. On peut passer en dessous là ou pas? On peut passer en dessous, mais ça sert à rien. Il y a quoi là-bas?
Non, je peux pas y aller, il y a un mur invisible. Faux espoir. Tant pis. J'ai pas compris pourquoi il disait qu'il y avait une rose là-bas. Le dessin. Parce que je vois pas de rose, hein. À moins que ce soit une dent et que j'arrive pas à le voir. Non, d'ailleurs c'est pas une rose, c'est une violette, mais bon, bon, tant pis. On va aller au centre, il y avait l'air d'avoir un levier. Je pense qu'on va pouvoir libérer les bras du chapelier. Hop là. Il est où le levier? Il est là. Nickel. Et du coup ça va effectivement... Bah le vide ordure, c'était écrit dessus, mais c'est ce que je vous avais dit quand on avait rencontré le chapelier, qu'on se croirait dans une décharge. Donc c'est vraiment ça en fait. Et moi j'y vais en plus. Tranquille. Je rejoins le chapelier. J'ai un cadeau pour toi, ça s'appelle des bras. Tu vas voir, c'est sympa. La mobilité sera appréciée. Tu seras remercié quand je serai tout reconstruit. Ne dors pas sur tes lauriers. Il faut que je récupère ces chaises longues. Oui, oui. Arrête de parler, chapelier. Alors, petite précision, là, vous voyez une bouteille, mais je l'ai déjà prise, elle brille pas. On l'avait prise quand on était passé, et quand elle ne brille pas comme ça, ça sert à rien. Bon, je vais la prendre pour le LOLs, mais elle est pas comptée. On l'a déjà prise. Alors, faut que je réactive ça, parce qu'il faut que je remonte. Idem, je crois que les caisses, là, ça sert à rien que je les casse, parce qu'il n'y aura pas de dents dedans. Dedans, dedans. Je peux tester, mais... Ah si, il y a des dents. Bon bah attendez alors. Petite, petite pause dents. Ne nous privons pas. Ah, caméra, non, hein. Stop. Stop tes bêtises. Le problème c'est que la caméra, pour tout vous raconter, c'est qu'elle est jamais la même selon les jeux que je fais en let's play. Du coup, chaque fois je suis paumé. Ok, dans celle-ci, il n'y avait rien. Combien on a de dents? 579. Je peux améliorer le moulin à poivre. On va peut-être améliorer le glaive d'abord. Hein. On va attendre un petit peu. Il nous faut une centaine de dents. C'est pas bien difficile. Alors, remets un truc là-dessus, toi. Hop, on y va. Hop. Ok, donc cette fois... donc là, on a fait filtrage des arômes avec le loir. Maintenant, on va aller voir le lièvre dans, je crois, chauffage et pression. Le lièvre qui est tout aussi cinglé, hein. Alors, c'est par où? C'est par ici. Sauf que je peux pas y aller comme ça. Il doit y avoir un interrupteur comme pour l'autre côté. Là, il y avait un interrupteur la dernière fois. Si je ne m'abuse. À moins que je puisse sauter. Non, je peux sauter tout simplement. J'ai dû activer les deux chemins. Ok, boum. Boum. Dédain. Plus dédain. Merci. Et on se refait un coup de... Oh, cette descente de la mort. Mon dieu. Fermez les yeux! Oh mon dieu, ça doit être... Oh là 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 là, ça me donne le vertige. Puis elle, elle y va tranquille en se tenant à peine sur le bord de la tasse. Pas de problème. Ok, donc deuxième zone. Chauffage et pression. Le chat, es-tu là? Oui. L'étendue de cette désolation... n'est connu que de ceux qui en souffrent. Merci beaucoup pour ce message de paix et d'amour. On vérifie un peu tout autour. Ok. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose pour l'instant. Allons-y. Ça y est, je l'entends. Oh là là. Ils sont... Ça porte bien son nom de chauffage et pression, là, le gros pied qui tombe, hein. C'est tranquille. Alors attendez, parce que du coup... Allez! C'est bon. Est-ce qu'il y a quelque chose de planqué derrière ce pied? On dirait que non. Par contre, là, il y avait des dessins. Ok, alors apparemment, faut utiliser le poivrier ici. Pourquoi? Il y a un interrupteur encore? Oui. Tais-toi, le lièvre. Ton pote le loir, il parlait aussi. Bah alors toi, tu pourrais faire un effort et te taire. Oh, il y a un truc là. L'industrie vit de nos souffrances. Avidité et lassitude, Alice.
Voyez ce qu'elle a fait de ce quartier. Vous devriez vivre à la ferme, en Australie peut-être. Nous devrions céder ce qu'il reste de votre héritage. D'accord, mais tu laisses mon héritage tranquille, s'il te plaît. Et il parle lui aussi d'industrie, donc ça confirme ce que vous disiez dans les coms. Alors le chemin est là-bas. On a tout un truc à faire. Oh là là. Je sens que je vais crever toutes les deux minutes. Pauvre Alice. Tu vas devoir te transformer en papillon. Hop. Ok. Et donc, faut que je passe là-dessus. What the fuck. Ah non. D'accord. Ouvre tes yeux. Prochaine fois. Ok, donc ça. Hop, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. J'ai compris. Je me dépêche. Ah, tu restes pas bloqué. Ok. Oh, elle a fait tomber la gourdesse. Ok. Donc ensuite, je peux pas monter là-haut, c'est trop haut. C'est là ou c'est pas là? Ça part de partout. Non, c'est là. Hein. C'est là, mais il suffit que je passe là-dessous. Vas-y, open. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Il y a une serrure. On y va. Je sais pas si c'est le bon chemin, mais bon. C'est pas très caché. C'était pas très caché. Ah, une belle petite bouteille. Vous voyez que celle-ci, elle brille bien. Hein. On voit bien la différence entre les bouteilles prises ou pas. Hop. Hop, voilà. Faut que je fasse attention parce que les groins, je ne les entends pas. J'espère que j'en ai pas raté déjà. Je ne pense pas. Du moins, j'espère. Ça m'embêterait de déjà rater des choses dans le premier chapitre alors que c'est celui que je connais le mieux. Mais bon. Allez, casse ça. Y'a rien ici. On peut encore monter là, y'a des plateformes invisibles en plus. Ok, je m'en souviens. Parce qu'à mon avis on va monter. Oh, le dessin du lièvre. Là. Boum, boum, boum. Oh, tu crois que je t'ai pas vu toi. Tac, 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 tac. Là, y'a ça. C'est pas très bien caché ces machins là. Avec un petit bout de temps. D'accord, bon, en même temps c'était pas à cacher puisque on était un peu obligé. Y'a rien d'autre ici? Non. Ok. Je me méfie, hein. Je suis un peu parano là, mais en même temps je regarde. À mon avis je vais devoir faire demi-tour parce que du coup mes trucs vont descendre. Voilà, génial. Génial, donc on va faire la même mais un peu plus rapide, hein. Maintenant que je sais qu'il n'y a rien. Hop. J'espère que je n'ai pas raté de gros, hein, sinon je vais me faire disputer, parce que ça s'entend très bien sur la vidéo, sauf que moi je ne l'entends pas. Allez, on se dépêche. On se dépêche, faut aller où? En face. Allez, vite, 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 vite. Voilà. Parfait. Alors, il y avait des plateformes invisibles. Comment on y va? Elle était là-bas, non? Enfin... Attendez. Hop. Il doit y avoir quelque chose là-bas. Hein. Comment on y va? Peut-être encore plus loin, tout simplement. Déjà, là, je peux passer. Je peux avancer là ou pas? Oui. Ouf, j'ai eu chaud. Ah, j'ai posé la bombe de l'autre côté. Attendez, parce que ça va pas du tout là. Vous êtes gentil, mais... J'ai pas vu ce que ça a ouvert du coup, génial. Fantastique. Fantastique. Où suis-je? Où dois-je aller? Quelles sont mes priorités dans la vie? What the fuck? Alors déjà, ok, ça ferme la porte qu'on voit en face. Très bien. D'accord. Bon, à mon avis, il faut faire demi-tour. Il n'y a rien là. Il n'y a rien du tout. Donc, on va mettre ça. Et je pense qu'on va faire demi-tour. Hop. Je sais pas, ça me fait un peu peur. Là, je peux passer maintenant. Mais, what the fuck? Ça monte pas du tout les trucs là. Il y a un truc à faire là-bas, c'est pas possible. Comment on y va? Il y a un interrupteur. Oula, doucement. Comment on va là-bas, s'il vous plaît?
Ouais. J'ai l'impression qu'il faut déjà être là-bas pour que... Il y a des trucs que je comprends plus là. J'ai dû rater les choses. Est-ce que c'est tout ce qu'il y a ici? Oui. Tu peux pas me remettre l'animation là? Qu'est-ce que je rate? Qu'est-ce que je rate? Mais c'est pas censé monter ça? C'est censé monter ces machins. Allô les roues! C'est pas possible. Attendez, on va faire un truc. Voilà, t'es gentil. Où suis-je? Je suis au début, évidemment que je suis au début. Bon, je pense que ça avait bugué, c'est pas possible, parce que là, je comprends pas. Je ne comprends pas, donc on va se le faire en vitesse, là. Voilà, t'es gentil. Dépêche-toi, ma gourde. Aujourd'hui, je suis méchant avec Alice parce que ça bug. Suis la méchanceté. Hop. Voilà, on rush tout. On est content. Plus qu'un slogan. Travaillez juste. Jusqu'à votre tu mets ça ici. Nous vous le rendrons au centuple. Mon cul que tu rendras au centuple, oui. Je ne traite pas avec les fous. Alors hop. On y va. Bon. Est-ce que cette fois les roues veulent bien monter? Parce que je pense que ça vient de ça et que ça m'a pas fait le truc que je voulais. Voilà! On était bien victime d'un bug, hein. Mais oh, le jeu. Il s'est pris pour qui, le jeu? Alors, là, il y a quelque chose, au final. Hop! Hop! Est-ce que c'est tout ce qu'il y a? Juste des dents. Juste des dents? Non, il y en a encore un peu plus par ici. Ok, il y avait des roses. Est-ce qu'il y a autre chose? On dirait que non. Ok! Eh bien, on s'en sort quand même. Quand le jeu ne veut pas bugger. Alors, par contre, je suis obligé de me retaper le chemin. Parce que du coup, ça s'est fermé. Il y a intérêt que ça marche cette fois. Tout ça pour quelques dents. On va s'en sortir de cette salle, on va s'en sortir, hein. Du coup, là, faut que je remonte. Oh là là, faut tout refaire, en fait. C'est une catastrophe. C'est la dernière fois que je le fais, hein. Si ça marche pas, je rage quitte. Allez. La salle la plus longue du monde. Il y a rien de tout dedans, mais... Putain, faut peut-être que je mette la bombe, en fait. Alice. Alice, pourquoi je suis bête? Explique-moi, Alice. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Hop. Hop là. Allez. Il y a intérêt que ça bug pas, hein. Je serais déception. Mais je pense qu'on a fait bugger parce que on a cassé. Enfin, je sais pas, la première fois on a mis la bombe sans casser le mur, c'était un peu bizarre. Ne pas mourir maintenant, ce serait un peu dommage. Ok. Voilà. Ça marche bien. Allez. Voilà. Eh ben on y arrive. Hop. Une sauvegarde. Bon, je vais pas vous laisser ici parce que ça fait un quart d'heure qu'on est dans la même salle. Donc faisons durer un petit peu le plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oublie pas ça. Qu'est-ce qu'il y avait écrit là? Apparemment on va avoir des ennemis dont un gros avec un bras. Oh. Hop là. Approche. Hop. Allez. Montre-moi ton gros nanoï. Voilà. Oh, regardez le nombre de dents qu'on a. Regardez bien ça. 675. Allez, le glaive numéro 3. C'est parti. Parfait. On n'a plus aucune dent. Mais on va faire très mal. Donc normalement, on gagne un coup supplémentaire. Ouh. Il est tellement beau ce truc. Tellement beau ce glaive. J'adore. Qu'est-ce qu'il y a ici? Non, je ne peux pas monter. Oh, déception. Ok, où suis-je? D'accord. D'accord, d'accord, pas de soucis, je suis là. Ouf, j'ai failli me faire écrabouiller.
je vous suis. Je vous suis, y a pas de souci. Rien d'autre. Boum, boum. Oh non, pas toi, la limace. Dégage. Là, y a rien. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Petite Alice qui fait des ballerines. Qui tourne et qui tourne. Prends la dent. Merci. Oh, le petit ennemi qui croit qu'on va le... Attendez. On va le snuper. Hop. 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 Oh, au revoir. Il était déçu, hein. Je sais pas si vous avez entendu, mais... On a entendu la déception dans son... Dans son intonation. Alors... Oh, ça pue l'arène, ça. Combat! Oh oui, combat. Oh oui, combat. Approchez. Déjà toi. Allez, 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 dégage. On va essayer de se faire cela en premier, parce que... Allez, boum, 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 boum. Dégage, faut pas qu'on se fasse écrabouiller par les énormes presses. Ce serait un peu dommage. Oh là, comment on les défonce! Oh, tu crois que je t'ai pas vu, toi, là-bas? Tu crois que je t'ai pas vu? Allez, viens. On est bien. Boum, boum, boum. Allez, viens. Pop, 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 pop. Allez, voilà. Ok, next. Vous deux, là. Comment ça, tu m'as tapé? Dégage. Vous êtes trois en plus, les petits salauds. Voilà. Nickel. Doucement les pressions, là. Voilà. Ok, on a une sauvegarde. Et là, il y a quelque chose. Comment on va de ce côté? Déjà, faudrait ouvrir ça. Ce serait sympathique. Voilà. Ah bah d'accord, ça ouvre ça, tout simplement. Certains insectes mangent leurs petits, Alice. Nous avons beaucoup à apprendre. De leur vie ou de leur mort. Pourquoi raconter ça à cette jeune fille? Pourquoi lui faire tant de mal? Qu'est-ce qu'il y a écrit là? La mort, d'accord. Ne pas se mettre sous les trucs, c'est la mort. C'est gentil. Alors on va aller par ici. Changement de zone, je sens bien là. Ok, oui. Trouver les groins. Ouais, 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 je suis dessus là. Je cherche les groins. Ok. On est dans une salle très très étrange. On est dans une salle étrange et écoutez, je crois qu'on va se laisser ici parce qu'elle a l'air assez grande et que je viens d'avoir une sauvegarde juste avant. Donc désolé, je peux pas gérer tout le temps le temps de l'épisode comme j'aimerais, mais du coup là, vu qu'il y a une sauvegarde, on va s'arrêter là. Alors j'espère que je n'ai rien oublié. Ah mais si, je sais ce que c'est. C'est normalement, si c'est comme... Enfin Alice, c'est des dodos. C'est ça? D'ailleurs, il y a écrit quoi là? Miserarium dodo. Ok, bon, je pense que j'avais raison. J'aurais peut-être dû lire le truc avant de faire genre « Eh, je sais !» Mais en fait, oui, c'est des dodos. Comme dans le conte, enfin, comme dans l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, de toute façon. Bon, là, ils sont un petit peu en cage, quoi. Ils sont un petit peu en esclavage, comme Lutte là-bas qui tourne une roue, mais bon. Bref, la prochaine fois, on continue cette zone, et puis on va récupérer les jambes du chapelier auprès du lièvre. Et une fois tout ça récupéré, ben, on va pouvoir réparer le grand chapelier et voir s'il peut nous aider à découvrir ce qui se passe ici et avoir des informations sur nos souvenirs et tout ça. Je pense qu'il pourra nous aider sur la suite de notre aventure. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour découvrir la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à bientôt tout le monde.